Salut les amis, j'espère que vous allez bien, vous êtes bien sur la chaîne de Passion Gaming. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne si le contenu vous plaît. Et on va ouvrir nos packs Division Revolts et nos récompenses Fut Champions. On va commencer avec les Division Revolts. J'ai pris tout ce qui était non échangeable pour avoir plus de packs, vu qu'on est en période de nouvel événement, que le taux de drop est un peu plus haut. Dans le pack gratuit que EA nous avait donné, j'ai eu Lisandro Lopez 91. Donc on va voir, on commence dès maintenant et c'est parti. Bah après on espère acheter surtout sur les cartes rouges. Voilà, en espérant avoir du lourd. Mais bon, oh c'est quoi ça? Quelle animation? Parce que j'avais arrêté le jeu, je sais pas du tout ce que c'est. AG, c'est quoi? Oh ben voilà! Eh ben c'est pas mal pour commencer. C'est pas mal, c'est pas mal. Bon, c'est une 82, c'est pas exceptionnel, mais voilà, je vous ai dit que il y a moyen de chatter, il y a moyen de chatter. Dans ces petits packs-là, voilà, il peut y avoir des métamorphes, comme on est en nouveaux événements, j'ai préféré prendre les cartes et on verra bien ce que ça donne. Après les cartes rouges, voilà, j'attends rien, hein, personnellement. La seule carte où on avait chaté, on avait une N'Golan. Sinon, on a jamais eu grand-chose. Donc, on va bien voir ce que ça donne. On va bien voir ce que ça donne. Mais... Alors, qu'est-ce que c'est? Anglais. BU. Oh! 5,84. Mais voilà, c'est toujours ça de prix. Au moins, voilà, vous voyez qu'il y a moyen de chatter. Bon, c'est pas exceptionnel. Mais voilà quoi, il y a des cartes par rapport aux nouveaux événements, donc il y a moyen d'avoir des bons petits trucs. Et vous verrez que c'est peut-être dans ces packs tout pourris que je vais avoir plus de chance. Et dans les gros packs de Fut Champions, on a fait 17 victoires. Autant on n'aura pas de chance. Ouais, c'est des 84, ça peut servir pour un SBC. De toute façon, c'est toujours ça, c'est dans les petits packs qu'on a plus de chance et dans les gros, on n'a pas spécialement de chance. Bon, ça, c'est de la merde. Et après, voilà, comme je disais, les cartes rouges, on n'attend rien depuis le début du jeu. Voilà, si on arrive à avoir au moins... Moi j'ai une Serie A, donc c'est dur à caler, mais si on arrive à avoir au moins un bon super sub, voilà, on crache pas dessus, mais au moins un bon petit truc, quoi, j'espère. J'espère dans les cartes rouges. On a vaincu la malédiction, les deux derniers Fut Champions, on avait fait 16 wins, là on a fait les 17. Et j'espère que voilà, qu'on va être bien récompensé. Après voilà, on sait que les grosses cartes, c'est dur à avoir. Mais si on peut avoir une bonne petite carte sympathique, on va pas cracher dessus. Bon, on a eu un peu de chance, quoi, façon de parler. On n'a même pas eu de la chance, mais c'était des animations par rapport au nouvel événement, donc voilà, c'est des cartes qui serviront pas, qu'elles sont dépassées, mais pour des futurs SBC. Et au moins, ça nous a permis pendant quelques secondes de vibrer. Oh là là. Bon, j'ai pas pris les 30 000 crédits, de toute façon, pour avoir quelques cartes, histoire, voilà, comme je suis youtubeur FIFA, ben, histoire de mettre un peu de contenu. Donc c'est pour ça que je prends jamais les crédits et que je prends les récompenses invendables. Bon, on n'a pas chaté. Donc là, c'est là. Après, bon, après les cartes rouges, on aura des packs à ouvrir. Mais on compte beaucoup sur les cartes rouges. Hein. C'est les cartes rouges. Voilà, vous voyez, il y a deux choix de joueurs. Un pack rare, deux packs méga rares. Voilà, on va espérer chater peut-être dans un pack méga rare. Mais c'est surtout les deux cartes rouges, quoi, qu'on nous donne un truc lourd. Donc, allez, on est parti, croisons les doigts. Putain, faites-moi bander. Oh là là! Alors là, il y a un vrai choix. Là, il y a un vrai choix. Parce qu'il y a Benzema qui rentre pas dans ma team.
Mecha a une très très belle carte, hormis le manque d'équilibre. Et de l'autre côté, il y a Cécinia que je voulais tester. Et qui a une super belle carte, mais c'est une 92. Donc le choix est Benzema coûte plus cher. Donc je vais partir sur Benzema pour la note générale et aussi tester un Benzema. C'est plus kiffant de tester un Benzema que tester un Cécinia. Bon, on a eu qu'un joueur ultime là, donc j'espère que dans le deuxième choix carte rouge, on va un peu plus chiater. Allez, on prend Benzema. Allez, allez. Pour Luis Alberto, ouais. Bon, ce sera Benzema et Luis Alberto. Ça va. Voilà, on voulait des cartes au moins jouables. On pourra tester Benzema, le mettre en super sub. C'est mieux que rien. Maintenant, on va ouvrir les derniers packs qui nous restent. Voilà, Luis Alberto, Benzema. Surtout que j'ai une Serie A. Allez, on ouvre le pack aux rares. Donc, comme j'ai une Serie A. Alors, c'est quoi ça? C'est quelle animation? Moi, je suis perdu, les animes France. Je sais même pas les joueurs qu'il y a. Marseille, oh putain, c'est pas Sanson, une carte qui était. Ouais, oh là là. Oh là là, putain. Bande d'enfoirés, on arrive à la fin du jeu quand même. À la fin du jeu. Allez, je te fais vente rapide, toi. À la fin du jeu, ils nous donnent ça. Putain, deux packs méga rares. On veut vibrer, putain. Alors. Franchement, voilà, comme vous voyez, on a eu plus de chance dans les petits packs que dans les packs méga rares. On a Bartra. Vous imaginez un pack méga rare, on a Bartra, c'est. Ça se vend combien ça? Je sais même pas combien ça se vend. Allez, on le met à 2000, on s'en fout, on verra. Je sais même pas combien ça se lance. Ah là là, Ferfut Champion 17 win pour ça. Bon, après Luis Alberto. La Serie A, ça fait un super sub. Benzema, super sub. Alors. Bah, c'était. Ça sera pas ouf, hein, Pjanic. Ah non, Khedira. Khedira, et oui. C'est un Bosnien que Pjanic. Donc voilà les amis, ben on n'aura pas chaté. Ça aura pas été dégueulasse. Voilà, on a eu quand même Benzema, Luis Alberto. J'aurais bien aimé prendre Cécinha, mais bon, Benzema, voilà, ça reste Benzema, note plus haute. Si je veux le mettre dans un SBC plus tard, ça peut toujours servir. Donc voilà, ben c'est la fin de la vidéo, les amis. Des récompenses UE Champions. J'espère que ça vous aura plu et je vous dis à très bientôt, les amis, pour une prochaine vidéo. Bye bye.